Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère vous fera plaisir. J'ai fait un nouveau haul de chez Action comme vous l'avez vu sur le titre et sur la miniature et j'aimerais savoir si ça vous intéresse que j'organise un concours spécial Back to School car oui on arrive bientôt aux grandes vacances donc voilà je me suis dit pourquoi pas pour l'année prochaine vous ayez quelques petits lots à gagner. Spécial pour les cours, pour l'école et tout, ça peut être super sympa, donc dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir, je vais vous montrer un petit peu les achats, bien sûr je suis loin d'avoir tous les lots, il va falloir que je retourne refaire un petit haul de chez Action, le souci c'est que là il n'y avait pas beaucoup de choix, mais normalement il ne devrait pas tarder à en sortir, je me suis renseignée un petit peu dans le magasin, donc voilà. Avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour passer dans la prochaine vidéo. Et merci beaucoup pour tous vos commentaires, franchement vous êtes un boost au quotidien, vous êtes super. Je vais commencer par vous montrer quelque chose qui n'a rien à voir avec le concours, mais enfin si quand même, parce que ça va me servir pour vous envoyer les lots sans qu'ils soient abîmés. Ce sont des enveloppes à bulles, ça faisait un moment que j'en avais pas acheté et j'ai été en rupture de stock au dernier concours sans m'en rendre compte. En fait, il me reste que deux je crois, c'est surtout pour les lots les plus fragiles et il y en a 5 ou 6 par paquet, je ne sais plus est-ce que c'est indiqué, il y en a 5 et ça coûte je crois 94 centimes unité. Enfin, le paquet. Et franchement, c'est vraiment pas cher. Quand vous voyez qu'une enveloppe à bulle, genre quand vous allez à la poste, l'enveloppe à bulle coûte un peu plus de 2 euros. Et là, vous avez 5 enveloppes pour 94 centimes. Moi, je vous les conseille. Elles sont superbes en plus. Elles protègent super bien. Donc voilà, je voulais vous en parler au cas où que ça vous intéresse. Alors, pour ce qui est de tous les prix des lots, je ne vais pas avoir les prix. Ça, je m'en rappelle parce que j'en achète assez régulièrement. Mais le reste, je ne vais pas m'en rappeler, peut-être à part un ou deux articles, si je m'en rappelle, je vous le dirai. Mais j'ai perdu le ticket, en fait, tout simplement. Ensuite, encore une fois, quelque chose qui n'a rien à voir avec le concours. Cette fois-ci, j'ai acheté 3 cols, tout simplement, parce que c'était les 3 derniers. Alors d'habitude, il n'en reste que 2 quand j'arrive au niveau du rayon. Là, il en restait 3, j'ai pris les 3, et ça, je me rappelle à peu près du prix. Je crois que c'est 77 centimes unité. Elles sont vraiment pas chères et elles fonctionnent super bien pour le slime. Donc voilà, j'essaye de me faire un stock... de colle en ce moment parce que bah, je sais pas, j'ai l'impression que chez Action ils en ont de moins en moins souvent donc je préfère en avoir d'avance. Ensuite j'ai racheté du washi tape, donc celui-ci je trouvais qu'il était assez sympa et je sais pas si je l'avais, après je sais pas si je vais le mettre dans le concours, dites moi si vous souhaitez le voir dans le concours ou pas. Donc c'est parti pour les lots Back to School. Alors attention, il y a des stylos que j'ai trouvé vraiment super sympas, qui sont comme ceci. J'espère que vous allez bien voir, mais j'ai pas trop envie de les déballer, tout simplement parce que c'est pour vous, et si je les déballe et que j'arrive pas à les remettre à l'intérieur, ça serait dommage. Au moins là ils sont bien protégés, ils sont super beaux. Donc là il y a une petite boule avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Ce sont des paillettes en forme de cœur. Celui-ci est doré. Et là, j'ai un petit rose gold. Et pareil, les paillettes sont en forme de cœur. Donc le focus qui ne se fait pas comme il faut. Donc voilà. Super sympa. Je les trouve trop beaux ceux-là. Ensuite, j'ai trouvé des mini surligneurs. Donc il y a des mini surligneurs et des, un petit bloc en fait de papier. Je les ai trouvés super sympas. Ils sont dans leur petite trousse. Et il y a pas mal de couleurs, rose, jaune, orange, bleu, vert et violet. Ensuite j'ai acheté des gommes qui sont censées avoir une odeur, donc là j'ai watermelon, en plus je les trouve trop belles, regardez. J'adore celle avec la main et la manette, trop bien. Mais pour ce qui est de l'odeur, j'ai pas l'impression que ça sent le watermelon, il y a une odeur, hein, ça sent bon, mais je sais pas trop ce que c'est. Donc pareil, j'ai pas les prix, je suis désolée. Mais n'hésitez pas à aller voir à Action si vous êtes intéressé. Si vous les voulez avant le concours. Voilà, ça c'est le deuxième et c'est Strawberry normalement. J'aime bien aussi, elles sont super jolies. Donc voilà, pour les lots de gomme. Je les trouve vraiment pas mal. Ensuite, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec les achats Back to School. C'est un petit kit comme ça que j'avais envie de tester. Je ne sais pas si je vais le tester en vidéo ou le montrer sur Instagram. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir ça en vidéo.
C'est de l'art en sable en fait, c'est un truc ultra simple, vous avez juste à mettre du sable dans les récipients et normalement vous devez obtenir quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà tout ce que ça contient. Et ça, si je me rappelle bien, c'était 1,55€ ou 1,50€. Bah c'est dans les 1,50€, c'est sûr. Donc voilà, si vous êtes intéressé. Puis il y en avait d'autres sortes, hein. Il y avait des étoiles, il y avait la lune, il y avait je sais plus, mais il y en avait d'autres. Donc là on va arriver à que du back to school, oui si je ne me trompe pas. Donc j'ai retrouvé d'autres sortes de surligneurs, ceux-là je les ai trouvés super sympas, ils sont trop beaux. Et en plus ils sont un petit peu couleur pastel, ils ne sont pas fluo. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et ça change, en plus ils ont des super dessins. Donc voilà, j'adore. Pour moi c'est un des trucs les plus sympas de ce que j'ai pris. Hop. Ensuite, il y a un petit agenda comme ceci que je trouvais super sympa. Il y en avait d'autres sortes. J'ai pas osé en prendre d'autres, tout simplement parce que je voulais votre avis en commentaire. Dites-moi si vous les trouvez sympas. Donc, je vais vous montrer un peu à l'intérieur. C'est vraiment ultra simple. Là, vous avez le calendrier. Et ensuite, voilà, ça se présente comme ça pour les jours. Donc, voilà, c'est assez petit. Ça peut servir pour vos rendez-vous autrement si vraiment ça ne vous plaît pas pour les cours. Donc c'est pour ça, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous souhaitez que j'en achète d'autres ou pas, parce que franchement je trouve que la couverture est vraiment super sympa et il y en avait d'autres couleurs. Je sais pas s'il y avait d'autres dessins, je ne m'en rappelle plus, mais je suis sûre qu'il y avait d'autres couleurs. Ensuite, alors là ça n'a rien à voir avec le back to school, j'ai failli oublier de vous les montrer et d'avoir votre avis aussi. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais acheté l'année dernière, que je devais tester en vidéo, je devais faire une recette de glace facile et tout, et tester ça, et regardez, en fait c'est des tout petits bacs comme ça pour faire des glaces, et j'en ai retrouvé un chez Action, c'est ce qui m'a rappelé en fait que je devais faire ça en vidéo. En plus là on arrive en été donc c'est parfait. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je teste ça en vidéo, que je teste une recette de glace ou plusieurs, pourquoi pas trois, et qu'on essaye de faire ça et de voir ce que ça donne. En vrai ça peut être super sympa. Donc ça, j'ai failli oublier, mais ça coûte 99 centimes unité, car celui-ci j'ai payé 99 centimes. Cela, alors j'ai revu celui-ci, mais j'ai pas revu celui-ci, après moi peut-être dans mon action il n'y en avait plus. Mais voilà, c'était pour vous prévenir au cas où vous ne trouviez pas celui-ci. Après cela date de l'année dernière hein, quand même, je vous redis, et celui-ci de cette année. Ensuite on va continuer avec le back to school, mais pas de chez Action cette fois-ci, c'est de chez Soumini. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin qu'il y a, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs, mais celui-ci est de Normandie, donc voilà, je voulais vous prévenir quand même, mais de toute façon ça n'empêche que ce sont des lots en plus. Donc on a un stylo comme ceci, super sympa, donc voilà. J'adore, il y a vraiment pas mal de couleurs. Ensuite on a un crayon comme ceci, donc c'est un crayon papier qu'il faut tailler bien sûr, avec la petite licorne au dessus, donc je sais pas si vous pouvez l'enlever ou pas, mais bon, je vais pas essayer. Ensuite on a un stylo comme ceci, donc c'est un petit peu une corne de licorne, je l'ai trouvé super beau. Donc voilà comment se présente la mine, plutôt sympa. Et là, il y a encore le prix dessus, 2€. Et c'est bien de chez Soumini. Et enfin, encore de chez Soumini, on a une petite trousse comme ceci. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Elle est toute neuve, hein, elle n'a jamais servi. Et bah, je me suis dit, pourquoi pas la mettre dans le concours. Donc ça, par contre, vous voyez, ce sera bien à envoyer, je pense, dans une enveloppe à bulles. Je pense que je mettrai quelque chose à l'intérieur pour éviter qu'elle se déforme, à voir, je sais pas. Mais en tous les cas, voilà, elle est super sympa, je la trouve plutôt cute et cool à la fois. Donc voilà, j'espère sincèrement que ma vidéo haul vous aura plu, donc haul de chez Action et de chez Soumini. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour me soutenir un maximum.
Voilà, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi pour passer dans ma prochaine vidéo. Voilà, je sais que ça vous fait plaisir et moi, ça me fait extrêmement plaisir aussi. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis! Bien sûr, le concours commencera à partir de fin juin, je pense, ou début juillet et se terminera soit fin juillet ou début août pour que vous puissiez avoir vos lots avant les cours.